qu'ils ont joué des rôles de l'ombre ou pas, qu'ils soient au Bénin ou de la diaspora, ils ont apporté leur touche au succès de l'exposition art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Le gouvernement les gratifie à travers la cérémonie de remise d'attestation au thème de l'exposition diptyque art du Bénin. Tous ceux qui se sont battus pour ça et qui aujourd'hui ne sont plus avec nous, je voudrais au nom de toute cette équipe dire à tout le monde qu'aujourd'hui, nous célébrons la fierté de la République du Bénin. Nous célébrons cette jeunesse. Et pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, il n'y a qu'un seul message, celui de dire le Bénin révélé, ça a commencé et nous devons tenir la flamme. Ensemble, autour de la Galerie nationale, tenons cette flamme-là pour être dignes de ce que nous sommes. Pour les bénéficiaires, il n'est pas seulement question d'un document signé. L'exposition leur aura apporté des souvenirs inoubliables. La cérémonie est importante parce que non seulement elle permet de remercier et de féliciter toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition, mais c'est aussi une forme de reconnaissance pour le métier, surtout pour le métier de médiateur, puisque bon, moi c'est mon métier, hein, guide conférencière. Et donc c'est une façon de nous montrer que ce travail qui... parfois peut être, on va dire, un peu mis de côté ou un peu, on peut penser que c'est un métier facile. C'est une façon de montrer qu'il y a une reconnaissance derrière et que l'État, le gouvernement, les Béninois en général ont compris que c'était réellement un métier que d'être guide ou alors médiateur culturel. Et ça a été, je pense, vraiment le cas sur cette exposition qui était quand même très très particulière. Bon, oui, c'est vrai qu'on en a vu de toutes les couleurs, mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment la magie dans les yeux des enfants, déjà. Le fait que ces petits-enfants, nos enfants, ont pu visiter cette exposition historique, et je pense que ça va marquer, même si le contenu, on va dire, des médiations n'était pas forcément compris, parce que ce sont de jeunes enfants, mais le fait d'avoir participé, d'être venu, d'être rentré dans la présidence, d'avoir vu ces œuvres magnifiques, que ce soit au niveau patrimoine ou au niveau art contemporain, je pense que déjà ça, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a également, je dirais, les réactions de nos compatriotes qui étaient, on va dire, émerveillés déjà par les œuvres, mais en même temps qui se sont mis parfois à se questionner sur notre histoire et surtout sur notre identité. Et je pense que c'est ça qui est génial dans cette exposition, c'est que ça a provoqué des questionnements en chacun de nous. Ce n'est pas juste une exposition, une sortie de, on va dire, de loisirs. C'est aussi mais qui on a été et qui nous sommes aujourd'hui. Et donc le fait que le public ait pu comprendre ça, je pense que c'est très bien. Oui, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait cette reconnaissance à travers les attestations qui nous ont été délivrées aujourd'hui. Mon travail sur cette exposition a vraiment changé ma vie parce que c'est un projet qui m'a permis de découvrir plusieurs de nos artistes, de découvrir d'autres façons de travailler. Et aussi et surtout, j'ai pu, à travers cette exposition, participer à ce volet important de l'histoire. Et pour cela, je remercie de nouveau toutes les personnes qui étaient impliquées. Ils sont une quarantaine à avoir reçu leur attestation jeudi. Ce sont des médiateurs volés trésors royaux, médiateurs volés contemporains et assistants de production, des sapeurs-pompiers du SAMU, des statisticiens, des scénographes d'opération, des éléments de la garde républicaine et des animateurs ateliers de pratiques artistiques.